Alors, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir un peu dans TabSwap, voilà. Nous allons voir dans TabSwap comment intégrer les codes au niveau des vidéos. Parce que actuellement, il y a des vidéos qui ne passent pas, surtout au niveau de l'Afrique. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous allez voir un peu de quoi je parle. Vous allez dans Task, les tâches à faire. Quand vous allez là-dedans, il y a un certain nombre de vidéos. Vous allez dans Cinéma. Voilà. Cinéma. Quand vous êtes dans Cinéma, je prends cette vidéo par exemple. On va d'abord la regarder et vous allez voir ce qui va s'inscrire sur l'écran. Oui, c'est écrit, cette vidéo a été bloquée dans votre pays par l'utilisateur qui l'a mise en ligne. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous retenez le nom de la vidéo. La vidéo s'appelle Five Easy Ways to Make Money on Crypto in 2024. Vous voyez un peu? Donc, quand c'est comme ça, vous validez ici, vous acceptez, vous likez et puis vous revenez. Quand vous revenez à votre compte TabSwap, voilà, vous mettez ici le code de cette vidéo-là. N. OK. Et je vais valider. Voilà. C'est en minuscule que c'est écrit. Voilà. Quand tu mets la majuscule, ça refuse. Donc vous écrivez ça en minuscule. Finish. Et vous voyez là, ils ont donné les 200 000 pièces. Vous appuyez sur claim et puis le tour est joué. Donc ça, c'était la vidéo concernant 5 easy ways to make money on crypto in 2024, 2024. OK? On va revenir sur une autre vidéo. On va prendre celle-là, par exemple. Ça, c'est laquelle? How to get started in crypto investment. Crypto without investment. Vous voyez un peu ça. Donc, vous validez comme on a fait pour la première vidéo. Vous validez. Et puis, vous venez sur votre page TabSwap. Voilà, vous venez sur votre page TabSwap. Et là, vous tapez en majuscule cette fois-ci, vous tapez tribalisme. Tapez le T, le R, le I, le B, le A, L, I, S et M. Voilà, tribalisme. Lorsque c'est fait, vous appuyez sur Submit. Voilà, la mission est accomplie. Donc, vous cliquez là-dessus pour pouvoir obtenir vos 200 000 pièces. Claims. Voilà, c'est fait. OK. Donc, voici un peu en quoi consiste l'exercice. Je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne-là et puis de venir de temps en temps pour voir un peu les vidéos qui peut vous aider à évoluer dans TabSwap. Tappy activated. Greetings, bite-sized buddies. It's your Tappy, here to bring you the hottest crypto news in the digital world. Let's dive into some electrifying updates, shall we? In the latest buzz from the blockchain, Web3 users have reached a new milestone. According to Dapperdar, the number of unique daily active wallets soared to a whopping 10 million in the second quarter, marking a 40% increase from the first quarter.
That's a record high, folks. Donc, but let's not get our circuits too tangled. Dapperdar cautions that this surge might be due to temporary airdrops, kind of like getting free oil cans just for showing up. Donc, vous regardez, il y a des codes qui apparaissent dans l'écran qui passe. Donc, c'est ces codes-là que vous relevez. Et puis après, vous les introduisez dans, on appelle le code. Il devient votre code. Donc, vous faites attention. Ouais, là, par exemple, il y a un 6 en bas de l'écran. Comme ça, ça se fait. Voilà. Vous notez ça par ordre chronologique. Centralized finance apps dropped by $7 billion. Tron and Arbitrum felt the biggest jolt, but Ethereum's layer 2 solutions, Linea and Base, bucked the trend with significant TVL increases. Ouais. Ready for a power surge, crypto crew? Ethereum is set to potentially outshine Bitcoin with the upcoming launch. On continue, on suit la vidéo jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il est important de regarder la vidéo jusqu'à la fin. According to K33 Research, these ETFs could propel Ethereum's value, mirroring the earlier success of Bitcoin. Vous voyez, hein, elle là également. While Ethereum has lagged behind Bitcoin in performance, analysts predict that spot ETFs will bring substantial inflows, possibly boosting Ethereum's price over time. With approvals for these ETFs expected soon, we could see Ethereum lighting up the crypto charts. Despite some market skepticism, this could be a game changer for Ethereum. Stay charged for updates. Ici, il y a un 8. Ouais. From the land of llamas, Bolivia's central bank president, Edwin Rojas Ulo, has had a change of heart about crypto. After previously banning cryptocurrencies, Bolivia is now eyeing them as a beneficial addition to their financial system. Rojas Ulo highlighted stablecoins like USDT as useful dollar proxies for Bolivians struggling to access US dollars. While Bitcoin's volatility was acknowledged, stablecoins were seen as a stable alternative. However, the Bolivian Boliviano remains the only official currency. Ici, il y a un 4. Donc, vous voyez bien dans l'écran, il y a un 4 en bleu. This shift could electrify Bolivia's economy, but users must proceed with caution. Marathon Digital, the world's largest Bitcoin miner, has decided to hold on to its Bitcoin stash despite a market downturn. As of June, Marathon held 18,536 BTC, worth over $1.1 billion. The company plans to bolster its Bitcoin holdings through market purchases while preparing to sell some BTC to support operations if needed. This hodling strategy comes as Marathon continues to expand its operational capacity, aiming for 50 EHS by 2024. Their innovative pilot project in Finland uses excess heat from mining to warm homes, showing how crypto can contribute to sustainable energy solutions. It's a win-win, reducing carbon emissions while keeping the heat on. Last but not least, Ethereum ETFs are gearing up to hit Wall Street, potentially launching later this month. The success of Bitcoin ETFs has been for Ethereum, with some experts predicting that Ethereum ETFs could attract significant investment. Matt Hugan from Bitwise expects these ETFs to gather around $15 billion in assets within 18 months. However, the market's appetite for Ethereum compared to Bitcoin remains uncertain. As the launch date approaches, we'll see if Ethereum can light up investors' portfolios. As we wrap up today's news, it's clear that the crypto world is... Donc, après avoir regardé cette vidéo, vous avez déchiffré le code. Maintenant, vous revenez sur... Vous revenez sur Taps One, en cinéma, et vous introduisez le code maintenant. Donc, vous venez dans ça, ici. Vous mettez, comme on l'a vu dans la vidéo, 5... J
60 L 8 4 7 G et 7. On clique sur Submit. Et donc là, on a dû faire une erreur. Au lieu de, c'est le, au lieu de 0, c'est O. Souvent, j'ai du mal à. Voilà, c'est ça. Submit. Voilà, c'est O. Au lieu de 0. Bien. Donc, vous validez. Vous avez vos 200 points. Alors, donc, voilà comment il faut faire pour reconnaître le code dans les vidéos. Lorsque la pupille, vous regardez dans l'écran qui apparaît, il y a des chiffres qui sortent en bleu. Souvent, ce sont des lettres. Vous écrivez chacune de ces lettres-là, ou bien chacun de ces chiffres-là. Ensuite, vous mettez ça maintenant dans le code. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Au revoir et à bientôt.